Bonjour à tous. Vous savez quoi? La vie est belle. Et le scoop du jour, eh bien, c'est que je me prends pour un téléphone portable. Allez, je m'explique. Depuis toujours, je me sens comme fille du soleil. Et aujourd'hui, en me levant, j'avais vraiment envie et besoin d'aller voir le soleil se lever. Parce que pour moi, c'est vraiment une source de régénération. Ça me recharge complètement les batteries de voir le soleil et encore davantage quand je vois le soleil se lever. Donc, je me suis préparée et j'ai foncé dans un de mes appartements d'où je sais que j'ai une vue sur l'est, donc sur le lever du soleil. Et quand je suis arrivée, déjà, l'horizon était rosé, signe que le soleil allait bientôt émerger. Donc j'ai quand même attendu près d'une heure. Et c'est vrai que c'est toujours fabuleux quand j'ai vu le soleil émerger au milieu des branches. Là, ça me fait comme une résonance. Et franchement, au niveau du cœur, il y a une communion entre mon cœur, sans doute le chakra du cœur qui s'ouvre et qui résonne, qui communique. Et qui communie aussi avec cet astre, le soleil. Et franchement, quand j'ai attendu de voir le soleil se lever, eh bien, j'ai forcément repensé à mon séjour à Bastia en 2015, en décembre 2015 pour Noël, où je vous avais pris en photo progressivement les différentes étapes du lever du soleil sur le port de Bastia. Là encore, mais c'était quelque chose de sublime que je garde toujours dans mon esprit. Et ce matin, ben voilà, c'est à Dijon, mais le soleil, c'est le soleil partout où qu'on soit. Et c'était franchement merveilleux, magnifique. Donc là, je suis à nouveau reboostée, rechargée en énergie. Et ça fait un bien fou. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est une joie simple qui est vraiment à la portée de chacun. Et je voulais aussi, ben, que vous me disiez, vous, comment faites-vous pour recharger vos batteries? Quelles sont vos solutions, vos trucs, vos astuces? Voilà, donc comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.